toi, dans le Dieu de la repentance, dans le Dieu de la grâce, dans le Dieu de la paix, dans le Dieu de la réconciliation, toi qui permets toutes choses et toi qui résous toutes choses. Tu es Dieu, Seigneur. Rien ne peut t'échapper car tu connais toutes choses. Tu es là avant le rocher des âges et tu seras toujours là. Seigneur, merci. Et nous venons encore ce soir humblement connectés à ta divine onction afin de pouvoir parler à quelqu'un, enseigner quelqu'un ce soir, fortifier une personne, booster la foi de quelqu'un ce soir. Seigneur, merci parce que je sais que ce que tu commences, tu parachèves toujours. C'est pourquoi je te bénis et je te loue, Saint-Esprit de Dieu. Alors toi qui me regardes déjà ce soir, je t'invite déjà à partager, invite un ami afin de venir consommer ce repas dans le nom tout puissant de Jésus. Consommons ce repas. Cet enseignement, je vais la dédicacer à la Pâque. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est un enseignement Pâque au nom de Jésus. Enseignement Pâque. Alléluia. Ce n'est pas le thème de ce soir, mais c'est un enseignement que je dédie à la Pâque. Alléluia. Alors, sans plus tarder, toi qui es en train de partager déjà, commence à partager. Et je vais relâcher une grâce sur ta vie. Afin que ce que tu cherches, Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Alléluia. Le thème de ce soir, c'est l'esprit du mensonge. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur. Alléluia. Le thème de ce soir, c'est l'esprit du mensonge. Alléluia. Sois connecté sur notre page Ministère prophétique de la repentance et clique en bas en commentaire en disant « Prophète, ce soir, parle-moi. » Je vais te parler et je vais prophétiser sur ta vie. Alors, toi qui es en train de partager, je déclare sur ta vie vraiment des grâces, pas des grâces de mots, mais des grâces qui doivent accompagner la parole du prophète dans ta vie. Pour toi qui me regardes, reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. La grâce de Dieu va localiser ta prière. La grâce de Dieu va localiser ton bon sens. La grâce de Dieu va localiser tout service que tu as rendu à quelqu'un. Si on ne t'a pas dit merci, au travers de cette grâce que je relâche dans ta vie, cela va manifester quelque chose de puissant dans ta vie au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. C'est vrai, le vocabulaire pour nous les hommes de Dieu n'est pas loin de ce que je suis en train de vous dire. Mais je m'inscris dans ce vocabulaire pour relâcher cette grâce maintenant. Reçois-la avec action de grâce. Reçois-la avec action de grâce au nom de Jésus-Christ sans arrêt. Que Dieu commence à bénir ta vie. Que Dieu commence à bénir ton commerce. Que Dieu commence à fortifier ta relation. Que Dieu commence à fortifier ton engagement. D'abord avec lui, ensuite avec ton chef hiérarchique et après avec ton leader d'église. Alléluia. Soyez bénis, soyez fortifiés. Je prie dans le nom de Jésus pour toi qui me regardes aussi. Et pour celui que tu vas aussi inviter à rentrer dans le couloir de la réconciliation. D'abord la réconciliation entre toi et Dieu. La réconciliation entre toi et ta famille. La réconciliation entre toi et tes parents. La réconciliation entre toi et tes amis. Au nom tout puissant de l'Éternel, Dieu est en train de commencer quelque chose dans ta vie. Alléluia. Bien aimé, il faut retenir ceci. Nous sommes en train de traverser les derniers temps. Nous sommes en train de rentrer dans une phase assez compliquée de nos vies, de nos existences. J'ai envie de te dire, toi qui me regardes, l'expérience de l'autre doit tout simplement te fortifier, mais ce n'est pas ton épreuve. Alléluia. Son conseil devient expérience pour toi, mais avant que cela soit expérience, ça a d'abord été son épreuve. C'est pourquoi tu dois te servir de cette expérience-là pour mieux canaliser la même épreuve similaire à celui qui en fait une expérience. Alléluia. Alors soyez fortifié. J'ai envie d'annoncer ce soir que c'est la première fois que tu as ta vie. La première fois que tu as ta vie.
Alors, bien-aimé dans le Seigneur, sache ce soir que l'Éternel des armées est en train de te mettre responsable du volant de ta voiture. Alléluia. Tu es responsable. Tu es responsable. Alléluia. Tu es responsable. La voiture a déjà décollé. À toi de gérer le reste. Tu as dit, tu as le permis. Le permis ici est connecté au mode foi. Tu as dit, tu as la foi. Maintenant, la foi est accompagnée de la matière. La matière ici, ce sont des épreuves. La matière ici, ce sont des épreuves. Et le volant ici, bien aimé dans le Seigneur, c'est sans ce qu'on appelle la volonté. Alléluia. Quelqu'un dit, je reçois la volonté de marcher dans l'épreuve. Alléluia. Alors, tu es responsable. Il y a une situation dans ta vie. Il y a une situation qu'on t'a toujours présentée. On t'a dit, l'ennemi est debout. L'ennemi est debout. Et l'ennemi est en train d'attaquer ta maison. L'ennemi attaque ta foi. L'ennemi attaque la matière. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as le permis qui en appelle la foi. Alléluia. Tu as la volonté qu'on appelle le volant. La matière, comme on disait, c'est aussi les conseils. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes là ou tu avances? Alors ce soir, tu as besoin que l'Éternel des armées te révèle le code de démarrer ta foi en suivant tout simplement les conseils. Je t'invite à prendre une feuille. Je t'invite à prendre un cahier. Ta Bible pour être vraiment au même diapason que le prophète. Alléluia. Alors prends ta Bible, prends ton cahier. Je vous ai dit tantôt tout à l'heure que le thème était l'esprit du mensonge. Vous savez tous que de facto, l'être humain aime mentir. Alléluia. L'être humain de facto aime d'abord mentir. Mais il y a une seule personne que la Bible nous a révélée qui est venue sans tâche, sans péché, sans mensonge. C'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Tout simplement. Alors, c'est lui qui nous dit dans Jean 14, verset 6, qu'il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. C'est pourquoi ce soir, nous allons nous agripper tous à ce nom de Jésus-Christ de Nazareth pour qu'il puisse nous emmener devant son Père. Parce qu'il a dit dans sa parole que pour aller vers le Père, on doit passer par le Fils. Et nous sommes prêts à passer par avec le Fils, à marcher avec le Fils pour la rencontre avec le Père. Alléluia. Alors soyez bénis. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te conseiller à toi qui me regardes. Ne t'attache pas trop aux gens. Est-ce que tu me suis? Il ne faut pas t'attacher aux gens. Toi qui me regardes, un chrétien ne s'attache pas aux gens. Alléluia. Parce que certaines personnes changent de comportement avec le temps. Quelqu'un me dira certainement, comment ça, prophète? Oui, les gens changent avec le temps. Un chrétien doit fonctionner selon que Dieu révèle. Il doit fonctionner avec l'Esprit de Dieu. Il doit manager toutes les saisons. Alléluia. Prenez l'image du nuage. Le nuage, il y a des moments quand vous le regardez le matin, il est plein de lumière. Mais il y a aussi à un certain moment, il y a certains matins, le nuage aussi, il est aussi renfermé. Tu sens que dans ce nuage-là, il va pleuvoir. Pourquoi? Parce qu'il te présente une autre façade de son existence. Alléluia. Alors, toi qui me regardes, il ne faut pas t'attacher aux gens. Attache-toi au principe. Attache-toi à la parole. Attache-toi aux conseils qui te font grandir. Et ces conseils-là doivent toujours avoir pour référence la parole de Dieu. Parce qu'aucun conseil sage qui n'est pas tiré de la parole de Dieu est refutable du moment où tu n'es pas connecté. Alléluia. Donc, il faut rester connecté à la parole de Dieu. Elle ne change pas. Tout ce qu'on peut chercher dans ce monde, tout ce qu'on veut voir se faire dans nos vies est connecté à la parole de Dieu. Il y a tout à la parole. Tu veux le mariage, c'est dans la parole. Tu veux le travail, c'est dans la parole. Tu veux être fortifié, c'est dans la parole. Tu veux une prophétie, c'est dans la parole. Tu veux commencer, comment il faut combattre un Goliath dans nos familles, c'est dans la parole. Tu veux avoir la tempérance, c'est dans la parole. La dignité, c'est dans la parole. La foi, c'est dans la parole. La joie est dans la parole. La patience est dans la parole. Toutes ces choses que la sagesse humaine
peuvent t'expliquer et connecter d'abord dans la parole. Alors celui qui doit te conseiller doit toujours faire référence à quoi? À la parole. Parce que la parole doit être le soubassement de ta prise de conscience, le soubassement d'un déclenchement d'une position. C'est pourquoi je vous renvoie tous à l'exercice de la parole. Revenez à la parole. Connectez-vous à la parole. Et je salue comme ça au passage les apôtres du ministère prophétique de la repentance, les évangélistes et les pasteurs, les docteurs et les prophètes. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Ainsi que vous, les hommes de Dieu de ce monde. Je bénis comme ça la vie du révérend Aziz Mboma. Je plonge sa vie dans le sang de Jésus. Je bénis comme ça la vie du prophète Nicolas. Je bénis ça dans le sang de Jésus. L'évêque Moreau, le prophète Béni Wamina et son épouse et le membre de leur ministère dans le sang de Jésus au nom de Jésus. Soyez bénis. Église du Gabon, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez fortifiés au nom de Jésus. Et je dresse comme ça mes sincères condoléances à l'endroit des catholiques qui ont perdu un prêtre du côté du Gabon. Soyez fortifiés et que Dieu vous soutienne au nom de Jésus. Alléluia. Alors, toi qui nous regardes, bien aimé, on ne s'attache pas aux gens. On ne s'attache pas aux gens, sinon tu auras de l'ABC avant l'âge. Restez tranquille. Attention. Alléluia. Ne vous attachez pas aux gens. Et j'ai envie de donner souvent des conseils à certaines personnes qui sont souvent dans le couloir de l'amour. Quand l'amour est nouveau, ça devient comme un paradis. Beaucoup de personnes mélangent toutes choses. Attention. Attention à toute action nouvelle de l'amour. L'amour ne se limite pas qu'à je t'aime. L'amour aussi fonctionne dans la dimension des actions. Tu m'aimes, oui, mais on mange quoi après je t'aime? Alléluia. Parce que nous constatons, alléluia, nous constatons plusieurs personnes qui font même des mélanges d'amour. Et après, ils commencent à coller ça par les prénoms. Il y a des uns qui peuvent s'appeler Grégoire et l'autre va s'appeler Nadège. Lorsque tu prends Grégoire plus Nadège, lorsque tu fais cette cohabitation, ça te donne Grenade. Alléluia. Et vous commencez à vous rendre compte que dans votre maison, il y a des sérieux problèmes. Pourquoi? Mais parce que tu as épousé la Grenade. Et la Grenade, lorsqu'elle éclate, ça ne c'est pas un bruit lourd. C'est un bruit compliqué. Alléluia. Grégoire plus Nadège. Grenade et c'est la partie du film. Quelqu'un dit ça va péter ce soir. Alléluia. Je vais te parler ce soir de la part de Dieu. C'est comme deux personnes. L'autre va prendre, il va dire bon, moi je m'appelle Sarah plus Nathan. Alléluia. Lorsque tu prends Sarah et Nathan, ça donne quoi? Ça donne Satan. Alléluia. Alors il faut sortir de ces choses. Alors je t'invite aussi, toi qui me regardes, à commencer à prendre le prénom de ton prétendant, de ton mari et aussi de ton fiancé. Lorsque tu prends son prénom et ton prénom, quel est le suffixe après? Qu'est-ce que ça donne? Alléluia. N'aie pas honte, tu peux mettre ça même aussi sur la page. Alléluia. Mets ça sur la page. On va voir ce que ça donne au nom de Jésus. N'ayons pas peur. Engageons-nous. Quelqu'un dit je m'engage. Alléluia. Grégoire et Nadège ont donné Grenade. Alléluia. Sarah et Nathan ont donné Satan. Toi et ton projet donne quoi? Point d'interrogation. Quelqu'un dit ce soir, c'est mon jour. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, bien aimé, il faut rester concentré. Attention. Attention. Un joli miroir peut aussi blesser. Est-ce que tu me suis? Un joli miroir peut blesser. Le miroir avec lequel tu te mires, si tu ne le gardes pas bien, si tu ne le traites pas bien, si tu ne le poses pas à un endroit précieux, bien aimé, c'est ton qui va te blesser. Alors fais attention à tout miroir où tu te mets. Attention. Et toi qui me regardes, je ne sais pas pour qui est ton miroir. Est-ce que c'est ton travail qui est ton miroir? Et comment tu entretiens ce travail? Est-ce que c'est ton prophète ton miroir? Comment tu entretiens ce prophète? Est-ce que c'est ta belle femme ton miroir? Comment tu entretiens? Alors bien aimé dans le Seigneur, je vous invite à prendre soin des mireurs, des miroirs avec lesquels vous vous mirez. Alléluia, faites attention. Jésus-Christ a dit, il est le miroir du monde. Alors lorsque tu regardes aussi ce miroir-là, tu peux commencer à voir que oui, vraiment, je suis un enfant de Dieu. Pourquoi mon langage est propre? Pourquoi je m'habille comme Jésus veut? Pourquoi je suis les recommandations de la parole?
C'est en cela qu'on reconnaît quelqu'un qui est connecté au miroir. Mais si tu prends ce miroir et tu le laisses tomber, bien aimé, si tu as des enfants et toi-même, ça va te blesser. Alors prenez soin de vos miroirs. Prenez soin de vos miroirs. Alléluia. Et je voudrais te dire, toi qui me regardes, le péché et l'enfer sont mariés. Mais la personne qui vient mettre fin à ce mariage-là, c'est la repentance. Alléluia. Alors toi qui es encore dans le péché, toi qui sais que tu es déjà, tu as ta place en enfer, bien-aimé, connecte-toi au ministère prophétique de la repentance. Connecte-toi à la repentance. Je vous ai toujours dit ceci. La repentance est un baptême. Alléluia. Dans lequel on vient déposer nos fardeaux, on vient déposer les entités, les liens de famille. Lorsqu'on vient les positionner à l'eau, on vient ressortir de là avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et une fois que le Saint-Esprit est connecté à notre engagement, bien-aimé, pour qu'il se manifeste maintenant dans notre vie, nous devons accepter le Seigneur comme sauveur et Seigneur personnel, afin que les écritures là soient connectées à nous. Alléluia. Donc le tout n'est pas d'être seulement baptisé. Alléluia. Il faut aussi accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Il faut avoir une relation avec Jésus. Il faut marcher comme Jésus veut. Il faut être connecté à Jésus. Il faut suivre les consignes de Jésus. En un mot, regarder Jésus comme un miroir. Tu peux voir si tu es beau et tu peux voir si tu es belle au travers de la vie de Jésus. Si tu sens que ta vie n'est pas connectée aux Écritures, rentre dans le couloir de la repentance. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'entre l'enfer et le péché, le divorce est prononcé par la repentance. Répentez-vous, car le royaume des cieux est déjà proche. Alléluia. Le royaume des cieux est déjà très proche. Répentez-vous. Alléluia. Répentez-vous. Alléluia. Quelqu'un dit ce soir, le prophète va me parler. Ce soir, le prophète va me parler. Alléluia. Amen. Bien-aimé, toi qui gardes encore la colère avec ton frère, avec ton père, avec ton neveu, sache ce soir, et c'est gratuit pour toi, ce n'est pas nécessaire. Tu peux te chamailler avec quelqu'un, mais réponds-toi rapidement. Demande pardon à quelqu'un. Si tu ne peux pas le faire de manière physique maintenant, là, envoie un message à celui avec qui tu as blessé. Envoie un message maintenant, s'il te plaît. Fais ça rapidement, c'est pour ton bien. Parce que tu peux ne plus te relever. Alléluia. Tu peux ne pas te réveiller cette nuit. Tu peux aller dormir pour toujours. Et tu vas directement où ça? En enfer. Tu vas aller où? En enfer. Répentez-vous maintenant là. Demandez pardon. Ne dorme pas avec la colère. Pardonne quelqu'un dans ton cœur. Pardonne quelqu'un dans ton cœur maintenant même. Si tu ne peux pas appeler la personne, si tu ne peux pas faire un message à la personne, pardonne-le. Commence à prier. Prie dans ton cœur. Et Dieu va t'envoyer les preuves de la repentance. Alléluia. Il y aura une situation. Elle pourra être une situation pour te rencontrer. Tu peux te rencontrer avec cette personne au marché. Tu peux te rencontrer avec cette personne dans un mariage. En tout cas, quelque part, on va voir si réellement le jour où le prophète t'a parlé de te repentir, tu as fait en esprit et en vérité. L'épreuve viendra, ou celui qui t'a blessé viendra vers toi, ou celle que tu as blessée viendra vers toi. Donc, regardez à l'Éternel, regardez à l'Éternel, soyez connectés à l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez connectés à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un dit, le prophète va me parler ce soir. Le prophète va me parler ce soir. Alors, bien-aimé, je vous invite à prendre maintenant vos Bibles. Prenez vos Bibles dans le livre de 1 Rois, chapitre 22, verset 22. Alléluia. 1 Rois, chapitre 22, verset 22. Le thème, c'est l'esprit du mensonge. Lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Rois, 22, au verset 22, il est écrit: j'irai, répond-il, inspirer des mensonges à tous ces prophètes. L'Éternel dit: pour sûr, tu le tromperas, tu y réussiras. Va donc, fais comme tu l'as dit. Alléluia. Amen. Version du second. Alléluia, Alléluia.
version 8 secondes, il est écrit. Je sortirai, répond-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est une parole très dangereuse. Elle est très dangereuse et je voudrais que tu puisses vraiment être concentré et connecté. Je ne veux pas commencer à dénigrer les hommes de Dieu ou encore les prophètes. Mais je voudrais t'emmener à comprendre qu'il faut faire très attention d'abord à la qualité des personnes dites prophètes. D'abord, attention. Vous savez, dans ce passage-là, je reçois un code de la part de Dieu qui me met en esprit que les prophètes sont d'abord esprits. Alléluia. Un prophète est d'abord un esprit qui n'a rien d'esprit humain d'abord. C'est un esprit que Dieu colle au nom prophète d'abord. Et là, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il connecte son code à ces personnes-là pour conduire son peuple à la Nouvelle Jérusalem, amener le peuple à résoudre toute situation auquel ils aimeraient que Dieu puisse faire. Mais dans ce texte, la Bible nous dit, je sortirai, répondit-il, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Qui sont ces prophètes? Ce sont des personnes que vous ne consultez pas d'abord Dieu avant d'abord d'y aller. Parce qu'il y a souvent une situation dans beaucoup de villes. Il y a beaucoup de situations dans les églises. Aujourd'hui, le peuple de Dieu aime les prophéties sensationnelles. Le peuple de Dieu aime les prophéties de bénédiction. Le peuple de Dieu aime les prophéties qui les arrangent. Des prophéties qui sont à la taille de leur entendement, de ce qu'ils aimeraient que Dieu puisse faire. Maintenant, Dieu te pose la question en toi qui me regarde ce soir. Qu'est-ce que toi aussi tu peux faire pour Dieu? Est-ce que tu peux aussi recevoir une prophétie où on va te demander d'aller demander pardon à ton côté paternel? Est-ce que tu peux aussi recevoir une prophétie où tu peux gêner pour le pays? Est-ce que tu peux aussi recevoir une prophétie où tu fais une semaine, tu éteins ton téléphone et tu restes assis à la maison? Est-ce que tu peux recevoir aussi une prophétie où ton enfant doit mourir, où ton chef doit mourir, où ton mari doit mourir, où ta femme doit mourir? Voici la question que mes élèves posent. Parce qu'avant qu'on arrive au verset 22, il y a d'abord une histoire. C'est l'histoire du roi d'Israël. Le roi d'Israël qui aimait consulter les prophètes avant de s'engager en toute chose. La Bible nous dit ici là qu'il y avait plusieurs prophètes. Mais il y avait un seul qui était le Dieu. Il y avait un seul qui était le Dieu. Et ce prophète avait dit à son serviteur que lui là je ne l'aime pas beaucoup. Pourquoi? Mais parce que tout ce qui sort de sa bouche là n'est pas souvent de bonnes paroles pour moi. C'était le prophète Michée. Cherchez les prophètes qui vont toujours vous dire les vérités. Cherchez les prophètes qui vont vous dire que ton langage n'est pas bon. Cherche un prophète qui va dire que ta façon de t'habiller n'est pas une bonne façon. Cherche le prophète qui va te dire que là, en ce moment-là, ta position n'est pas bonne. Tu es une enfant, va te lever, demander pardon à ton grand frère. Qu'il ait le travail, il n'est pas le travail, c'est ton grand frère, respecte-le. Cherchez les prophètes comme ça. Cherche un prophète qui va te demander de repartir au village. Cherche le prophète qui va te demander de laisser ce que tu as fait et suivre Jésus-Christ. Ne cherchez pas seulement dans le sensationnel. Tu seras béni. Oui, je t'annonce que la bénédiction n'est pas une publicité. La bénédiction est tout simplement quelque chose qui est, c'est un mode de vie. C'est une respiration pour le chrétien. Du moment que tu es déjà en Christ, tu es déjà béni. Parce que c'est un privilège d'être appelé enfant de Dieu. Vous bénéficiez des atouts surnaturels lorsque tu as Jésus-Christ. On parle de la bénédiction lorsqu'on dit qu'on est enfant de Dieu. Donc on ne doit pas venir encore te miroiter avec la bénédiction. Bien aimé, qu'on ne t'enseigne pas des choses que tu maîtrises. Qu'on ne prophétise pas sur toi sur des choses que tu maîtrises. Que quelqu'un vienne te dire que tu choses du 42 n'a rien à voir de sensationnel qui va te conduire au paradis. Je chose du 42, amen. Maintenant, pourquoi est-ce que la tête de mes pieds sont restées à 42?
Si tu peux me donner l'origine de mon pied 42, ça veut dire que tu peux me donner l'origine de ma position actuelle vis-à-vis de la famille. Cherchez les personnes qui vont vous accompagner dans la dimension avec le Seigneur. Il y avait une situation compliquée. Il y avait un prophète qui savait encore parler. Il y a encore des prophètes qui savent parler. Il y a encore des prophètes qui savent encore dire les vérités. Il y a encore des prophètes qui savent recadrer les gens. Un prophète est un conseiller. Un prophète est un visionnaire. Un prophète est une représentation. C'est un esprit que Dieu colle encore à un autre homme. Dieu donne une double portion à celui-là qui est dit prophète. Tu peux être prophète, mais tu ne peux pas être connecté à Dieu. Il y a des prophètes connectés à Dieu, il y a des prophètes connectés à l'église. Il y a des prophètes qui sont seulement là pour faire le nombre des cinq ministères. Mais Dieu, il a ses prophètes, il a ses atouts, il a ses hommes. Quelqu'un qui vient de Dieu est une personne qui étonne d'abord. Tout prophète qui vient d'abord de l'Égypte étonne. Pourquoi? Mais parce que Dieu lui-même a sorti quelqu'un de la prison, le lavait pour en faire quelqu'un de grand. Et vous devez respecter ce genre de personne. L'apôtre Paul, lorsqu'il était encore dans ses états compliqués, n'a pas eu une bonne publicité vis-à-vis du peuple d'Israël. Pourquoi? Mais parce que c'était un persécuteur. Lorsqu'il s'est rasé, il s'est repenti, il s'est humilié, il a demandé pardon, il allait vers les apôtres et il s'est fait petit. Dieu s'est révélé à lui, il a commencé à écrire, les gens commençaient à croire en lui. Tu ne connais pas le passé de ton prophète, tu ne connais pas le passé de ton pasteur, tu ne connais pas le passé de ton apôtre. Et tu prends ton corps, ton âme et ton esprit, tu vas directement te jeter à lui comme ça. Attention, bien-aimé dans le Seigneur. Je te parle là, je suis un prophète. J'ai été consacré et oint de Dieu dans mon pays et hors de mon pays. Bien-aimé, je ne fais pas de publicité sur ma personne, mais je te donne mon identité. Il m'arrive des fois d'aller rencontrer des personnes que Dieu a appelées dans certains pays, dit prophètes. Mais dans ma nation là, il y a des prophètes. Il y a aussi des prophètes. Alors je voudrais te dire à toi qui me regardes, ce n'est pas parce que tu t'appelles aussi prophète que toi et moi, on est la même catégorie céleste. Non. Moi j'étais dans mon yax, Dieu lui-même m'a appelé, il m'a équipé et il m'a dit go, c'est go. Et ce que je vois avec lui me traumatise. C'est pourquoi il m'arrive souvent de ne pas prophétiser lorsque Dieu ne me donne pas l'ordre. Prophétiser, il faut recevoir de Dieu l'esprit de prophétiser. On ne prophétise pas pour prophétiser. Ce n'est pas un jeu. Il y a des prophéties qui peuvent détourner une âme. Pourquoi? Elle n'était pas encore prête. Arrêtez de donner la viande de brousse à un enfant de 2 mois. Il ne va pas manger ça. Alléluia. Il faut prendre du lait, tu donnes et tu vas voir cet enfant avoir une croissance. Jusqu'à ce qu'il aura des dents, il va commencer à manger. Alors dans notre texte là, on voit une situation compliquée. Il y avait des prophètes et des prophètes. Il y a prophètes et prophètes. Bien aimé, lorsqu'on parle du mensonge, le mensonge est souvent conduit par un esprit d'abord de quoi? De liberté. Le mensonge est conduit par un esprit de liberté. Celui qui ment, pour lui c'est tranquille, il est libre. Il est aisé, il fait ce qu'il veut, c'est bien pour toi. Mais sache qu'il y a un agent qui est toujours là pour contrôler l'action du mensonge. Et cette action-là, c'est la vérité. La vérité, elle est ce qu'elle est. Elle est comme elle est, mais elle finit toujours par en sortir. La vérité donne toujours raison. La vérité donne toujours raison. Et la vérité s'oppose au mensonge. Alléluia. La vérité s'oppose au mensonge. Elle s'oppose au mensonge. Alléluia. Et le contraire du mensonge, alléluia, c'est la sincérité. Toutes les personnes qui ne sont pas sincères là, bien-aimés, ils sont connectés à leur maître, le mensonge. Et le contraire de la vérité, c'est l'erreur. L'erreur. Alors toi, prends l'engagement ce soir de t'accrocher sérieusement à Jésus.
l'esprit de liberté. Liberté de dire les choses. Attention, toi qui as un esprit de liberté. Tu n'es pas loin de l'esprit du mensonge. Ce n'est pas parce qu'on t'appelle prophète que tu es habilité à conseiller certaines personnes. Non, attention. Attention. Parce qu'il y a des conseils qui sont toujours qui sont conduits par des esprits. Il y a des conseils esprits. Et ça impacte la vie de la personne à qui on relâche le conseil. Et voilà une personne qu'on détourne de la raison. Voilà une personne qu'on détourne de la raison. Comme ces 70 prophètes-là ont détourné le roi d'Israël. Heureusement qu'il y avait quelqu'un qui avait l'esprit de Dieu, Josaphat. Josaphat est monté à la dimension pour dire, ah, je vais quand même aller prendre ce prophète qu'on appelle Michée. Et lorsque Michée est arrivé, Michée a dit ce que Dieu lui avait demandé de faire. Ce n'est pas parce qu'on a présenté au prophète la souffrance. Ce n'est pas parce qu'on a présenté à Michée la prison. Ce n'est pas parce qu'on a présenté à Michée la souffrance à la prison qu'il devait revoir sa prophétie, qu'il devait revoir l'instruction de Dieu, l'ordonnance que Dieu avait donnée. Non, il a assumé son ministère. Et toi qui me regardes, n'aie pas peur lorsque la tempête viendra dans ton ministère. N'aie pas peur de dire à quelqu'un qui te donne les dîmes de 10 millions que ton langage est sale et tu es sale et tu as un mauvais langage, un mauvais caractère. S'il parle de ton église a été libérée, ton église a été bénie et l'Éternel va continuer à éclairer. Il y a un adage africain qui dit, lorsqu'une personne part, 10 personnes rentrent. Attention! Méfiez-vous des prophéties de bénédiction. Attention, tu n'as pas fait l'école. Tu as conscience que tu n'as pas fait l'école. Tu as conscience que ton visage est un très vilain visage. Tu as bien conscience de ça. Tu as conscience que tu n'as pas l'acte de naissance. Tu as conscience que tu n'as pas les parents nantis. Mais tu viens quand même accepter les prophéties qu'on te dit. Tu vas te marier avec le fils Emmanuel Macron, par exemple. Tu as quand même le courage. Comme on te dit, tu vas te marier avec le fils du prophète Féréol. Attention, ce n'est pas pour te délivrer. Je te dis la vérité, je suis un homme de Dieu, je suis prophète. Je te le dis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu es une vilaine femme. Tu ne peux pas te marier avec mon enfant. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est mon critère. Alléluia. Je dis, c'est mon critère, j'assume ce que je dis. J'assume ce que je dis. Tu seras ministre sur quelle base? Tu n'es même pas dans un parti politique. Tu ne milites pour personne, tu es seulement assis à la maison. Partisan du moindre fort. Toujours en train de connaître les heures. Bientôt on va comparer et tu attends une nomination. Attention à ce genre de prophétie. Attention à ce genre de prophétie. Ayez des atouts. Ayez des atouts. Soyez concentrés avec Dieu. Soyez connectés à l'Éternel. Soyez disposés avec Dieu. Alléluia. Soyez disposés avec Dieu. Soyez connectés. Quelqu'un dit, je dois être connecté. Je dois être connecté. Prenez-nous s'il vous plaît. Jean 8, 44. Bien-aimés, restons calmes. Restons concentrés. Le mensonge est un esprit. Le mensonge est un esprit. Le mensonge vise toujours à humilier les gens. Et ça détourne les gens de la vérité. Ça détourne les gens de la vérité. Vous avez pour père le diable. Alléluia. Voici le moteur du mensonge. Le père. Qui? Le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Alléluia. Et vous voulez, c'est-à-dire que vous avez la volonté d'accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il a été meurtrier. Et il ne se tient pas dans la vérité. Alléluia. Quelqu'un qui ne se tient pas dans la vérité est un menteur. C'est un menteur. Et le diable là est un esprit. C'est un esprit qui contrôle qui? Les démons. Les démons qui nous accompagnent au quotidien. Les démons qui sont toujours là, prêts à accompagner les hommes. Mais ce soir, tu dois prendre la ferme conviction
de prier l'Éternel afin que Dieu te donne un prophète qui va te permettre d'esquiver tout esprit de mensonge autour de toi. Il y a des prédications mensongères. Il y a des conseils mensongers. Et faites très attention. Attention. Il y a aussi des révélations d'esprit de mensonge. Attention, il faut ouvrir les yeux. Lorsqu'on te donne une parole de connaissance, on prophétise sur toi, on te fortifie. Attention, il faut vérifier. Qui l'a fait? Est-ce que c'est un prophète dit de Dieu ou c'est un prophète juste pour remplir les cinq ministères? De nom. Tu vas t'asseoir sur une prophétie que tu n'as même pas vérifiée. Une révélation que tu n'as même pas vérifiée. La Bible te dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 22, il faut examiner, examiner, prenez ce qui est bon et laissez ce qui est mauvais. Lorsqu'une révélation est relâchée, il n'y a pas de problème, je reçois, mais sous réserve de la vérification, mais sous réserve de la vérification, mais sous réserve de la vérification. Lorsque deux ou trois personnes viennent attester une révélation, là encore il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on fait? On ne baisse pas les bras, on reste dans la prière. On reste dans la prière parce que le combat ne fait que commencer. Lorsque la révélation relâchée par un prophète t'a été donnée, qu'est-ce que tu vas faire? Une révélation, lorsqu'elle est assise, elle est confirmée de Dieu, elle devient un projet. Mais si et seulement si, condition, vous ne veillez pas à ce projet-là, le diable s'y se rend compte que toi-même, tu as en ta possession des millions, tu as en ta possession des milliards, et tu ne veux pas sécuriser cela en amenant ça dans une banque pour sécuriser parce que tu ne peux pas efficacement et physiquement gérer la sécurité de cet argent. On va te faire du mal. Attends-toi des agressions. Attends-toi des agressions. On va t'agresser. On va te faire du mal. Pourquoi tu n'as pas protégé la bénédiction? C'est pourquoi il faut faire attention. Qui a prophétisé sur ton mariage? Qui a prophétisé sur l'homme avec qui tu es? Qui a prophétisé sur le travail où tu travailles? Qui a prophétisé sur ton ventre? Qui a prophétisé sur ta destinée? Attention! Est-ce que cette prophétie venait de Dieu? Ou bien ce prophète-là était aussi frappé par Dieu et il t'a dit des choses pour te faire plaisir. Parce que le texte est là. Le texte dit quoi? Le texte a 1 roi, chapitre 22, verset 23. La Bible dit quoi? Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes qui sont là. Ce n'est pas le diable qui a mis, c'est l'Éternel. Pour confondre quoi? Pour confondre les prophètes que vous avez des sensations. Quelqu'un a l'esprit et pasteur. Tu as commencé ta formation dans l'église prophétique. Tu ne respectes pas ton père spirituel. Tu n'es pas loyal. Tu n'es pas loyal. Tu n'es pas loyal. Et lorsqu'on te fait des observations, ou comme tu lis la Bible tout le temps, tu penses que tu es déjà arrivé. Tu dis que tu vas aller créer l'église. Et à cette église-là, à l'ancienne église, on t'appelait pasteur. La nouvelle église, tu es maintenant prophète. Dieu va confondre ton langage. Dieu va mettre des paroles mensongères dans ta bouche. Et toi qui n'as pas de discernement, tous autant que vous êtes, vous irez tous en enfer. Pourquoi? Vous êtes allés chez la mauvaise personne. Vous êtes allés chez la mauvaise personne. Ah oui. Vous êtes allés chez la mauvaise personne. Et la Bible dans le livre de Jérémie 11:11, Dieu fera venir vers vous le malheur. C'est l'Éternel qui le dit. Jérémie 11:11. Il fera descendre sur vous quoi? Le malheur. Parce que vous n'avez pas suivi la voie de Dieu. Ne soyez pas pressés d'aller vers les prophètes. Ne soyez pas pressés de marcher avec les prophètes. Ne soyez pas pressés d'accepter les prophéties. Il faut savoir examiner les prophéties. Examiner les prophéties. Examiner les prophéties. Qui tu fais venir dans ton église? Qui tu fais venir à ton hôtel? Attention! Attention! Il y a des hommes intègres sur la terre. Alléluia! Il y a encore des hommes intègres sur la terre. Des hommes qui ne mentent pas. Bien-aimés, arrêtez de mentir. Il n'y a pas un mensonge qui arrange. Le mensonge conduit toujours en enfer. Le mensonge conduit toujours en enfer. Il faut retenir ça. Il n'y a pas un mensonge qui arrange.
Les païens voulaient récupérer une parole biblique pour dire Abraham avait menti. Mais toi qui te limites à ce passage biblique-là, pourquoi est-ce que tu ne lis pas ces passages qui viennent avant? Il y a d'abord avant d'arriver à Abraham a menti. Ce n'était pas un mensonge. Ce n'était pas un mensonge. C'était une vérité. La dimension avec laquelle Abraham avait pris sa femme Sarah, il l'avait prise comme sa sœur. C'est pourquoi toi qui me regardes, à un moment donné, ta femme peut devenir ta mère, ta femme peut devenir ta sœur, ta femme peut devenir ton conseiller. C'est la chair de ta chair, l'os de tes os. C'est pourquoi toi qui me regardes, il faut apprendre à aimer ta femme, il faut apprendre à chérir ta femme, il faut apprendre à lui donner ce qu'elle veut. C'est la personne qui sera avec toi, c'est la personne qui va t'accompagner, et Abraham le savait. Et toi, comme tu n'es pas enseigné, comme pour toi la femme n'est qu'un sujet de joie, un sujet de bonheur, qu'on était concentré seulement et limité au mariage. Bien aimé, attention, il y a aussi des femmes qui savent aussi aller dans les belles familles. Il y a des femmes qui savent aussi aller dans les belles familles. Alléluia. Oui. Et Abraham et sa femme étaient frères et sœurs en qui, en l'Éternel. Parce que Abraham était le père de la foi. Il était le père de la foi. Et il savait qu'il était, inférieur devant l'Éternel. Lui et sa femme devant Dieu, il n'y avait qu'un seul maître, c'était Dieu. Et il a pris sa femme comme sa sœur, à l'état primitif, d'abord. Alléluia. Donc il faut rester d'abord connecté à la prière. Maintenant, toi, il faut faire attention. Il y a des hommes encore intègres sur la terre. Job 1, 8 à 11. Vous allez écouter. Parce que beaucoup de personnes aiment souvent s'asseoir. Oh, il y a des mensonges. Tout le monde, il y a des mensonges qui sont toujours là pour dire la vérité. Non! Le mensonge est un esprit. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Job, chapitre 1, verset 8 à 11. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Alléluia! Est-ce que l'Éternel lui-même peut dire, as-tu remarqué mon fils? Prophète Phéréol, est-ce que tu as remarqué mon fils? Évangéliste Blanchard, est-ce que tu as regardé ma fille? Prophétesse Daniel, est-ce que tu as regardé ma fille? Évangéliste Maïe, est-ce que tu as regardé ma fille? Évangéliste Price, est-ce que tu as regardé ma fille? Pasteur Coralie, est-ce que tu as regardé ma fille? Évangéliste Aude, est-ce que tu as regardé mon fils? Apôtre Joseph, pasteur Tony, évangéliste Eddie, est-ce que vous les avez remarqués? Est-ce que Dieu peut faire ça pour toi, toi qui me regardes? Alléluia. Est-ce que Dieu peut dire à Satan pour toi qui me regardes? Mais tu dis quoi? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'y a personne sur lui sur la terre. Quelqu'un dit je me connecte à cette parole. Je me connecte à cette Alléluia. Parole. Dis je ne suis pas un menteur. Je ne suis pas un menteur. Oui, si pour toi je suis un menteur, pour Dieu je ne suis pas un menteur. Parce que lorsque Dieu a parlé à Job, moi je me suis connecté à Job. Et le prophète a cité certains noms. Et même s'il n'a pas cité ton nom, sache que toi aussi tu reçois ta part au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oui. C'est un homme intègre et droit. C'est un homme intègre et droit. Le prophète est un homme intègre et droit. Je suis intègre et je suis droit dans ce que Dieu me demande de faire. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Je crains Dieu. Et se détournant du mal. Alléluia. On se détourne de quoi? Du mal. Tout à l'heure, à Jean 8, 44, on a parlé de qui? Le Père. Du mensonge, c'est qui? C'est Satan. On a cité son nom. Et toi, est-ce que tu peux citer le nom de ceux qui t'embêtent, ceux qui te permettent de mentir? Arrêtez de mentir pour faire plaisir aux hommes. Arrêtez de mentir pour faire plaisir aux autres. Tu n'as pas l'argent, attends. Tu n'as pas si, attends. Ça ne sert à rien de dire que tu es directeur, entre temps, tu n'es pas directeur. Ça ne sert à rien de te vanter pour faire plaisir aux autres. Attends ton temps. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. Ne perds pas espoir à cause de la situation actuelle. Tu veux être fort, commence par zéro. Tu veux être grand, pas à un. Tu veux être béni, connais-toi d'eux. Tu veux être élevé, toi, à côté de toi. Tu veux que la main de Dieu soit positionnée dans ta vie, car tu n'es pas loin de toi. Ainsi de suite. Oui. Verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé?
lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous a lancé un défi. On nous a lancé un défi. Les domaines sur lesquels tu aimes mentir, s'il te plaît, ce soir, fais attention. Il y a des esprits qui sont élevés. Il y a des esprits qui sont élevés plutôt contre toi. Il y a un test qui est en train de se faire. N'allons pas humilier Dieu. On a déjà dit qu'on était des personnes intègres. Alors, toi qui mentais pour avoir du bien, ce soir, prends la ferme décision de dire l'esprit de mensonge doit quitter ma vie au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, beaucoup mentent pour éviter la gêne. Beaucoup mentent pour éviter la gêne. N'ayez pas honte. Si ta maison est chikaché, assume ça. C'est ton époque. C'est ton époque. C'est une destination. La maison en planche. N'aie pas honte de cette maison. N'aie pas honte de ton père. N'aie pas honte de ta mère. Qu'il soit fou, folle, comment c'est ton père, c'est ta mère. N'aie pas honte, bien-aimé dans le Seigneur. Et l'esprit de honte est toujours là. Pour toujours venir, toujours nous camoufler. Beaucoup de personnes, vous voyez, ça dit, c'est bien. Mais socialement, ce n'est pas ça. Ils ont honte même d'amener leurs amis dans leur maison. Ils ont honte d'amener leur famille dans leur famille. Leurs parents dans leur famille. Attention, ça sera quoi? Si vous avez des amis, c'est parce que vous êtes venu d'une famille. Pourquoi avoir honte de cette famille-là? Pourquoi avoir honte? Tu as deux yeux, tu as deux mains, tu as deux pieds. Travaille. Il n'y a pas un âge pour avoir le bac. À ton âge, même si tu as 50 ans, va t'asseoir. On aura pitié de toi en salle d'examen, tu auras le bac. Si tu as le bac. Alléluia. Oui. Parce que beaucoup mentent pour souvent ces choses-là. Souvent associé à quoi? À l'envie d'être aimé. À quoi ça te sert? Beaucoup de personnes commencent à cacher beaucoup de choses dans leur vie. Ils commencent à prendre des mèches pour cacher les bonbons viens. Beaucoup prennent comment des pouces pour cacher les boutons. Beaucoup commencent à prendre des talons pour commencer à corriger Dieu. Que Dieu, pourquoi tu ne m'as pas donné la taille? Attention! Vous commencez à prendre des tatouages, vous mettez ça dans vos corps. Dieu va vous juger sévèrement. Attention, il faut vous repentir. Alléluia. Ça paraît comique, ça paraît rigolo, mais c'est la vérité. Vous tous là qui aimez mettre les choses à la tête là, c'est parce que vous cachez de la vérité. La vérité, c'est que tu n'as pas les cheveux, tu n'as pas les cheveux, tu n'as pas les longs cheveux. Mais la Bible te dit dans le livre de Romains chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas aux siècles plaisants. Tes petits cheveux là, modernise ça avec le Saint-Esprit. Quelque chose va se passer. Transforme ça par rapport à la parole. Transforme tes cheveux. Sois naturel. Tu as honte de quoi? Il y a des gens qui pleurent d'avoir les bonbons viens. Les bonbons viens sont des signes naturels sur la tête de quelqu'un. D'autres sont obligés de brûler leurs cheveux pour qu'ils puissent avoir les bonbons viens. Mais Dieu t'a donné ça. Tu commences à les prendre des perruques pour cacher ça. Tu es en train de cacher la gloire de Dieu. Il faut te repentir. Attention. Tu cherches les hommes avec des artifices. Mais si la pluie te mouille, tu vas faire comment? Repentance. Alléluia. Les inconvénients du mensonge. Bien aimé, les inconvénients du mensonge nous amène toujours à perdre la confiance des gens. Lorsqu'on découvre que tu es un menteur, beaucoup de personnes se retirent de toi. Voici ce que le mensonge ne t'a pas donné, ne t'a pas dit. C'est pourquoi toi qui me regardes, il faut sortir de ça. Il faut sortir de ce côté-là. Soit naturel, soit vrai. Monsieur, je n'ai pas d'argent. Madame, je n'ai pas d'argent. Je ne suis pas ce que je vous ai toujours dit. Je ne suis pas ça. Apprenez à dire la vérité. Dites la vérité. Parce que si on découvre ton origine, on découvre ce que tu fais dans le noir. Plusieurs personnes seront blessées et ils vont te fuir. Ils vont te fuir. Tu as encore le temps de te repentir. Dis la vérité. Tu veux t'engager à une relation. Dis la vérité à la femme ou à l'homme avec qui tu t'engages. Dis à ton mari que tu as tant d'enfants. Dis à ta femme que tu as tant d'enfants. Dis à ta femme que là où tu vois là, j'ai des problèmes comme ça. Alléluia. Avant toute chose, même sur le plan médical,
Tu sais que tu es malade, tu as l'hépatite B, tu as le sida, tu as des maladies bizarres. Tu doutes même de ton état de santé, mais tu ne peux pas dire la vérité à l'autre. Attention, tu vas rester avec ta maladie. Je te le dis bien ça, tu vas rester avec ça. Même si tu sors avec ton mari depuis combien de temps, toi tu vas rester avec ça parce que tu connais ton état sérologique, tu connais ton état sanguin, mais tu ne veux pas dire la vérité à l'autre. Parce que tu crois que quoi? Il y a des hommes qui peuvent t'accepter avec la maladie. Tu es malade, bon, ça ne fait pas, pas de problème, go, c'est bon. Si l'Éternel m'a convaincu que c'est toi ma femme, c'est toi mon mari, et que par toi, la maladie que tu as là, si c'est la maladie qui doit maintenant me permettre d'aller au Seigneur avec, un titre foncier ou bien un contrat durée déterminé, si je dois venir prendre mon contrat durée déterminé avec toi, il n'y a pas de problème. D'après, je fais ce que j'ai à faire, mais d'abord, je pars au ciel. Je déchire. Alléluia. Je déchire. Je te dis amen. Alors, si ta femme a le sida, c'est ta femme. Si ton mari a le sida, c'est ton mari. Pourquoi tu veux corriger Dieu? Dieu ne se trompe pas. Il sait pourquoi tu as donné cette femme-là. Il savait que ton sida, son sida plus comment on appelle ça encore? Ton CD4. Tes globules blancs, tes globules rouges devaient être faibles. Donc facilement, tu devais vite mourir. Que la voiture ne peut pas te tuer, le physique va te tuer, mais le sida de ta femme va te tuer. Tu dis seulement amen, tu pars au ciel. C'est Dieu qui t'a donné cette femme-là. Maintenant, si Dieu veut que tu puisses faire 50 ans avec lui, vous fléchissez les pieds, dis Seigneur, maintenant la fin de l'année, nous la fin de ma vie-là. Il va enlever, il est Dieu. Il ne peut pas te donner ce qui est mauvais. La Bible dit que Dieu ne peut pas nous éprouver au-delà de nos forces. Il ne peut pas nous éprouver de nos forces. Il ne peut pas te donner une femme qui a la méningite et cérébrale, calistatique. Oh, tu ne m'entends pas. Il ne peut pas te donner ça. Il te donne quelque chose de bien. Dieu te donne le mari qui est bien, bien, bien. Il te donne bien, bien, bien. Alléluia. Oui. C'est comme ça. Donc le mensonge a toujours des inconvénients bizarres. Un menteur. Alléluia. Bien aimé, quelqu'un, tu sais, l'homme n'est pas de nature, n'a pas la nature de menteur. Allez, il faut l'avoir noté ça. L'homme n'a pas la nature de menteur. Mais quand il grandit, il découvre les systèmes, les canons de mensonge. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle un nid, qu'on appelle mensonge, le fondement des menteurs, qui est collecté à chaque personne qui veut récupérer sa part, sa portion. On appelle ça le mensonge. On appelle ça le mensonge. Alléluia. Tout au long du parcours de la vie de l'être humain, il y a ce qu'on appelle le mensonge. Mais toi qui es un enfant de l'Éternel, tu peux commencer à couper ces choses-là avec quoi? La parole et la prise de conscience et la décision sévère de laisser le mensonge. Laisse le mensonge. Laisse le mensonge. Et vous avez vu dans notre histoire, l'Éternel a permis. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais-en ça. Et il arriva à bout. Le roi d'Israël est mort. Comme le prophète, pas les prophètes, comme le prophète Miché avait dit. Et qui a régné en Israël, Josaphat. Que Dieu commence maintenant à vous bénir, que Dieu commence à vous remplir. Alléluia. Alléluia. Amen. Comment réagir à un mensonge? Comment il faut réagir face à un mensonge? Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas s'agiter. Lorsque quelqu'un te ment, ne sois pas agité. Regarde-le fixe-le. Souvent, quand quelqu'un te ment, qu'est-ce qu'il fait? Soit il gratte la tête. Il bouge le pied. Il a un problème. Il a un problème de stabilité personnelle. Il a du mal à être frais. Et quand tu sens qu'on te ment, pose la question à la personne qui est en train de te mentir. La même question la deuxième fois, vous allez voir qu'il va changer de langage. Tu sens qu'il est en train de te mentir. Vous savez, il y a une science qui étudie les menteurs. Il y a la mythomanie, la kleptomanie, l'infomanie. Ce sont des mécanismes que les psychologues ont mis en place pour traiter le problème des menteurs. Alléluia. Parce que le mensonge est une maladie.
Le mensonge est une maladie qui guérit sur le plan intellectuel par des psychologues cliniques. Vous allez dans les centres hospitaliers, vous allez rencontrer des psychologues cliniques qui vont vous conseiller sur comment il faut faire. Ils vont savoir, est-ce que ton mensonge sont de type naturel? Parce qu'il y a des personnes qui mentent sans pourtant savoir qu'ils sont en train de mentir, mais ils mentent. Ça devient naturel. Alors il faut rencontrer un spécialiste. Et si le spécialiste n'arrive pas, viens à l'église, on va couper ce cordon-là. Certains de ton arrière grand-père était un grand menteur. Et cet esprit-là est en train de te poursuivre. Ce n'est pas bon pour ta destinée. Pourquoi? Parce que dans ta destinée, il y a ta progéniture. Ta progéniture peut ne pas esquiver certains pièges que toi, le menteur, par excellence, tu gères. Et il peut se retrouver dans des graves problèmes à venir. Pour éviter ça, prends Jésus-Christ maintenant. Prends Jésus-Christ maintenant et coupe les liens de mensonge avec ton passé, avec ton présent et accomplis le plan parfait de Dieu avec la vérité. Alléluia. Amen. C'est important. Lorsque quelqu'un te ment, il faut être confiant. Il faut être calme. Soyez confiant. Alléluia. Amen. Les signes des menteurs, souvent, c'est gratter la tête, s'agiter, bouger les pieds. Quand quelqu'un ment, il bouge même les pieds. Alléluia. Tout ça, vous avez été détecté. Alors, il faut faire très attention. Arrêtez de mentir. Apprenez à dire la vérité. Apprenez à dire la vérité. Apprenez à dire la vérité. Lorsque tu as trop menti, maintenant, l'heure est à sonner où il faut dire la vérité. Alléluia. Maintenant, ferme ta Bible, je vais prier pour toi. Ferme ta Bible, je vais prier pour toi. Éternel mon Dieu, mon roi, toi qui vis dans les cieux, Seigneur, je te présente ton peuple, je te présente tes enfants. Seigneur, je viens par la présente demander pardon au peuple de Dieu, à l'être humain, devant ta majesté, parce que nous t'avons vraiment blessé. Nous avons posé des choses qui n'étaient pas bonnes. Pardonne-nous, Seigneur, pour tous les mensonges. Nous avons menti certaines personnes sur le mariage. Nous avons menti certaines personnes sur le travail. Nous avons menti certaines personnes à venir aider. Nous n'avons pas été sincères. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous avons même menti, Seigneur, aux hommes de Dieu. Nous avons menti, Seigneur, lorsque nous allons nous confesser. Nous avons menti dans les tribunaux. Nous avons menti, Seigneur, même à l'hôpital. Nous demandons pardon, Seigneur. Tu dis dans ta parole, dans le livre de Romains, chapitre 13, verset 1, que toute autorité vient de toi. Mais nous avons menti les autorités. Nous avons menti à nos pères. Nous avons menti à nos mères. Nous avons menti à nos enfants. Seigneur, nous demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, je viens encore venir réinitialiser ton alliance avec nous, tes enfants. Nous avons besoin de toi. Père, si nous avons été connectés par le canal du mensonge pour relâcher les professeurs et les vies de quelqu'un, nous demandons pardon à ces personnes. Et nous prions, Seigneur, pour la repentance d'abord sur le nom des prophètes et sur les prophéties relâchées par ces prophètes-là qui ont reçu de toi l'instruction de mentir à ces personnes et de les détourner. Seigneur, étends ta main. Nous avons besoin de toi. Toi, le Dieu de la repentance. Toi, le Dieu de la réconciliation. Nous voulons nous réconcilier avec toi par le canal de la vérité. Nous voulons marcher dans la vérité. Nous voulons marcher dans la vérité. Nous voulons marcher dans la vérité et la droiture. Au nom de Jésus, Seigneur, étends ta main. Que l'esprit de mensonge quitte les enfants de l'Éternel. Que le mensonge quitte les familles. Que les mensonges quittent les couples. Que les mensonges quittent les couples. Toi qui es encore dans un projet ou toi qui es marié, je t'invite à marcher dans la vérité au nom de Jésus. Marcher dans la vérité au nom de Jésus. Que le mensonge quitte vos vies au nom de Jésus. Et que Dieu commence à nous bénir. Merci Seigneur parce que c'est fait. Louons soit rendu à toi pour les siècles et les siècles. Amen.